On est bon, on est bon. Bonjour, bon Ok, matin, bon après-midi. un petit clap et let's go. Parfait. Safia, tu es à l'origine de plusieurs projets. On peut suivre ton travail sur 3 comptes Instagram distincts. Grandeur Noire, oui. Safia Enjoy Life et Le Guide de Guyane. Voilà. Peux-tu me citer un son qui représente ce que tu défends sur chacun de ces projets? Je vais commencer avec Grandeur Noire parce que pour moi, c'est le compte le plus important, qui me tient le plus à cœur, qui me passionne. Et Grandeur Noire, j'ai le coup de cœur du moment, c'est Buju Benton, Bless. We bless, tell them 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 we bless. Parce que ce qu'il y raconte, c'est totalement la philosophie de Grandeur Noire, c'est que quoi qu'il nous arrive, on reste debout, on reste solide et surtout on est béni. Donc, quelles que soient les difficultés, les obstacles qu'on met sur notre chemin, on est béni. Et surtout, ce qu'il raconte aussi, c'est qu'on est un peuple puissant, qu'on est vraiment lumineux. Et j'aime beaucoup, beaucoup l'instrumental aussi, l'énergie du son. Donc, voilà, pour Grandeur Noire, je pense qu'il illustre bien en ce moment l'état d'esprit de Grandeur Noire et la démarche documentaire. Pour Safia Enjoy Life, ce sera plus coloré, pétillant. Donc, ce sera Shoma Josie et ce sera John Cena. Je suis amoureuse de ce son, ça fait des mois. Et jusqu'à présent, je ne m'en lasse pas. Donc, très rythmé et puis très coloré. J'aime beaucoup la personnalité de la chanteuse aussi. Elle est très taquine, très drôle, voilà. Elle aime danser comme moi. Et puis pour le guide Guyane, le anthem de Guyane, tu sais déjà. Si je te dis Guyane anthem, tu me réponds. La Guyane belle, belle, belle. Ah, bon, voilà. Ça, c'est l'hymne national. Le Vadia. La Guyane, tout belle, belle, belle. Merci, côté dans l'Amazonie. Big up, le Vadia. Salutations à lui, salut la famille. Avec le projet Grandeur Noire, tu as publié un ouvrage qui s'intitule My Type of Bad Gal. Voilà. Où on peut voir différentes femmes afrodescendantes illustrées par l'illustrateur Wesley Dupré, si je ne me trompe pas. Oui. Oui, montre-nous ça, s'il est là le livre. Montre-nous ça, il n'y a pas de souci. Voici My Type of Bad Girl, la plus aventure de ma vie pour l'instant. Donc, livre qui présente 42 personnages féminins et qui est illustré par Wesley Dupré, qui est guyanais. Donc, c'est un livre 100% guyanais, mais qui parle de l'Afrique et de la diaspora. Donc, on a tout type de femmes, c'est-à-dire tout type d'époque. Là, c'est une époque qui est ancienne. On a l'Antiquité, on a l'époque moderne, on a tous les âges aussi. Il y a des filles, il y a des jeunes filles, il y a des adolescentes, il y a des femmes d'un âge mûr. Et l'idée, en fait, c'est donc de présenter des femmes dont on n'entend jamais parler à l'école ou dans les médias et qui ont fait des choses extraordinaires. Donc, il y a 42 exemples de ces femmes-là. Il y a aussi maintenant, on vient de sortir en juillet, là, Ah, la version coloriage. Ok. Voilà, le carnet de coloriage qui est assorti avec tous les personnages qui sont à colorier par les enfants. Pour qu'ils puissent s'imprégner des personnages encore plus. D'accord. Et alors, c'est guyanais, comme je t'ai dit. Et on peut le retrouver en ce moment dans les boutiques No Fee Store sur Paris. Et sinon, toutes les personnes qui ne sont pas à Paris, qui ne peuvent pas se déplacer en boutique, les livres, les deux, sont sur le site internet de No Fee Store. Okay. Du coup, il suffit de taper sur n'importe quel moteur de recherche No Fee Store, de trouver le site, et puis il y a les deux articles et on se les fait livrer. Partout dans le monde. Partout. Bon, parfait, zéro faute. Il n'y a pas d'excuse alors. Voilà. Ok. Du coup, pour le projet Grandeur Noire, après cette publication, après cet ouvrage, la prochaine étape, si j'ai bien compris, c'est le documentaire. Le documentaire. Donc là, je ne sais pas si tout le monde verra, mais il y a le clap qui est déjà prêt, qui est déjà là. Documentaire, l'Afrique qu'on ne nous montre pas, qui va aller valoriser tous les aspects positifs et lumineux de l'Afrique, que ce soit sur le plan de l'entrepreneuriat, des études là-bas, ils ont des universités prestigieuses, la culture, les arts, la cuisine, le tourisme, l'urbanisme, parce qu'on ne le sait pas, mais il y a des grandes mégalopoles qui sont extrêmement sophistiquées et développées. On va tâcher de rendre l'image de l'Afrique attractive pour vraiment attirer la diaspora, déjà dans un premier temps, sur un plan touristique, mais peut-être aussi pour inciter au retour de certains. Des fois, on galère dans des endroits où on ne veut pas de nous, alors qu'en fait,
c'est plus simple à la maison. C'est pas partout en Afrique que c'est en guerre, que c'est en crise, qu'il y a des épidémies et qu'il faut fuir. Il y a des endroits où il fait bon vivre là-bas. Mmh. Et on va les montrer et on va inciter la diaspora à revenir pour être une force vive et pour développer une économie qui nous rende puissants. D'accord. Et du coup, pour nous immerger à merveille dans ce documentaire-là, si tu devais choisir un son fruité de préférence à mettre en introduction pour bien nous immerger dans ce qui va être développé, quel serait ce son fruité? Alors, comme tout sera inédit dans le documentaire, la musique aussi, du coup, j'ai demandé à l'artiste guyanais Saïfa de nous composer un morceau. Je pense que Saïfa, maintenant, tout le monde connaît. Le dernier titre, c'est Bad Bad. Qui marche extrêmement fort, il est très talentueux, il sait tout faire. Il peut faire des musiques douces, fruitées, il peut faire des musiques un peu plus épicées, un peu plus reggae, il peut tout faire. La polyvalence. Et je vais demander de le faire dans sa langue aussi, puisqu'il est Aloukou, il est d'origine Aloukou. Donc du coup, je pense que ce sera une très belle BO. Bande originale, et elle n'existe pas encore, il va la composer. Bon, donc je hâte pas... On a hâte, j'ai hâte d'écouter ça. Dans tous les cas, ça va être fruité, j'espère. Mais même si c'est pas fruité, je vais consommer ça, bien sûr. C'est pas fruité. Ok, pas de souci. En plus de tes différents projets, tu es professeur au collège en Guyane. Tu es également très engagé dans la vie locale, ce qui fait de toi quelqu'un qui est en contact permanent avec la Guyane d'aujourd'hui. Si tu devais donc citer un son fruité de préférence, à l'image de la Guyane d'aujourd'hui, cette Guyane post-mars 2017, quel serait ce son que tu nous citerais? Quel serait ce son, cette saveur que tu nous ferais déguster là maintenant? Est-ce que j'ai le droit d'en donner deux? Bye. Tout bye. Okay. Alors, je vais donner... Déjà, le premier qui me vient en tête, c'est le son de Gifta. S'il n'y est pas qu'à comprendre. Moto Zerland n'a question de faille à bonne nuit, Jana. Parce que dans ce morceau, il explique que voilà, on a posé certaines choses en 2017 et que si ce n'est pas pris en compte, il va y avoir des conséquences. Et il explique de façon explicite, donc j'aime beaucoup ce morceau, que ce soit musicalement parlant ou au niveau des paroles. Et le deuxième, c'est Mo Lyrics de Chosin. Parce qu'il dénonce la corruption, il dénonce la manipulation, il dénonce les mensonges. En fait, ce qui gangrène le pays, il le dénonce et je trouve ce morceau-là extrêmement profond et courageux. Et c'est la nouvelle génération. Donc lui, vraiment, il exprime post-2017. Aujourd'hui, en gros, on n'est plus aveugle. On voit ce qui se passe et on ne va pas l'accepter davantage. Donc ces deux sons-là me parlent beaucoup. Carrément, ces deux sons-là sont bienvenus dans la playlist To Be Free. Même ces quatre sons-là, tous les sons sont les bienvenus dans la playlist To Be Free. Si tu devais choisir un fruit comestible pour te représenter, quel serait ce fruit? Quel serait le fruit qui représenterait à merveille Saphir? Alors, moi, ce sera l'ananas. Parce qu'en fait, l'ananas, à l'extérieur, il est piquant. Donc, il y a une sorte de carapace qui le protège. N'importe qui ne peut pas le tenir et on le tient pas n'importe comment non plus. Par contre, à l'intérieur, il est doux et sucré. Donc vraiment, c'est moi. C'est poétique. Et en plus, l'ananas, il a une couronne naturelle, comme moi. Donc voilà, je suis l'ananas. Parfait. Encore 90 millions de fois, merci Saphir de m'avoir accordé ce moment. Est-ce que tu auras un petit mot pour la fin? Un petit mot pour la fin, c'est big up à toi, bravo pour ce que tu mets en place. Je t'ai découvert cette année, il n'y a pas longtemps, et je suis tombée vraiment fan de ton travail, de ton univers. En fait, tu apportes pas seulement de la musique, tu as créé tout un univers, et même à travers cette interview, l'univers fruité, c'est super bien pensé. La métaphore que tu en fais, tout ce que tu mets autour de ta musicalité, tout ce que tu mets en place, toi aussi tu es engagé pour le pays, pour le progrès. Donc vraiment, je t'envoie beaucoup de force et beaucoup d'honneur pour moi. Moi, tu es encore content là, ça fait plaisir de ouf. Et aussi, merci de revenir faire des projets au pays parce que tu es venu faire ce concert au pays. Je pense que tu vas clipper des choses au pays et du coup, tu le valorises. Et surtout, tu accordes une attention particulière à ton public guyanais. Donc vraiment, merci. Non, merci à toi encore. Merci beaucoup. On se tient au courant pour la suite et puis force pour le documentaire. Merci.
Bonjour, bonjour, comment va? Vanga, vanga, bonita, bonjour, comment va? Vanga, vanga, bonita, bonjour, comment va? Vanga, vanga.